bonsoir tout le monde, vous êtes sur eSport Bros TV sous une pluie de palourdes ce soir. Vous l'avez compris, c'est une occasion un peu spéciale, c'est notre anniversaire, un an aujourd'hui. Et on en profite du coup pour vous retrouver pour un petit direct spécial, pour aussi fêter notre événement, l'arrivée d'un nouveau mode sur Splatoon. On va donc vivre... une petite heure ensemble avec des joueurs compétitifs pour découvrir ce mode. C'est Dimitri et je suis avec Truff. Salut Truff. Salut Dimitri, salut à tous. Alors Truff, on sera rejoint peut-être tout à l'heure si la connexion le veut par Xo, hein, voilà, on verra, on vous tiendra au courant de son arrivée ou non. Toute l'équipe d'eSport Bros TV est avec nous, Emmett est aux manettes du stream, Johanny est avec vous également, Fengos gère les équipes ce soir pour le tournoi. Les quatre équipes qu'on va voir s'affronter, parce qu'effectivement, on voulait vous faire découvrir la pluie de palourdes d'un point de vue compétitif avec des équipes qu'on a l'habitude de voir s'affronter, Truff. Eh oui, donc on est à Stayfresh, donc équipe très connue de la scène compétitive Splatoon, Squidding Good qui a fait un excellent parcours en Division 2, Rising Moon, donc champion de France l'année dernière, avec un excellent parcours à l'ESL et qu'on ne présente plus, hein, multiple vainqueur de tournoi, et là EL Firmament qui est actuellement l'une des top teams FR et qui a remporté la Ligue Saison 1 et qui a peut-être une chance de remporter la Ligue Saison 2 cette année. Ah, c'est clair, on aura la réponse très bientôt, hein, sans doute ce week-end. On va donc suivre ces quatre équipes sur deux rencontres différentes. La première, ça sera évidemment Stayfresh contre Squeezing Good, puis vers 20h30, 20h35, 20h40, par là. Hein, on aura Rising Moon contre les EL Firmament. Chacune des équipes s'affrontera sur 5 manches. Hein, c'est pas un BO3, un BO5 là, hein, dont on parle, c'est vraiment 5 manches qu'on va jouer. Hein, ouais, ça s'arrêtera pas à 3-0. Hein, voilà. Tout à fait. En fait, l'objectif, c'est de découvrir ce mode sur le sur Zmap, voilà, le plus de maps possible. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les joueurs, ils ont hâte d'en découdre, puisqu'ils sont déjà là dans le salon avec Emmett. On va donc les rejoindre et le match qui va pouvoir se lancer. On va donc découvrir cette pluie de palourdes sur le chantier Narval avec du côté de Stayfresh, Slax, Pion, Bouftou, j'ai aucune idée de qui c'est. si on pouvait demander qui c'est. Et Dedix. Et du côté de la Squidding Good, Porky, capitaine emblématique de la Squidding Good, Gekku, Nox et Orochi. Alors, on va lancer des paris sur Bouftou. Déjà, ça commence mal, il y a Orochi qui vient de sortir. Ah, bon, alors, c'est... À la limite, disons qu'on a l'habitude, c'est un peu notre anniversaire, donc on fait aussi une rétrospective de tous ces mois, de cette année passée ensemble. Et Squidding Good est une des équipes qui nous habitue le plus à des problèmes de connexion, donc voilà, ils sont fidèles à leur réputation, bien joué les mecs. Donc allez, c'est Cassie, hein. Bouftou. Ah, Bouftou, c'est Cassie, d'accord. Ce serait bien. Notre sœur Cassie. Très bien. Allez, on va laisser le Squidding Good revenir. Voilà. Donc ouais, pour les maps, parce qu'on est parti sur un choix pour utiliser les nouveautés d'ailleurs de la mise à jour 2.0, c'est-à-dire qu'on va ban les maps au fur et à mesure qu'elles vont être choisies en aléatoire. C'est-à-dire qu'on va mettre aléatoire, la map va être choisie, et après autour de la manche d'après, on va la retirer de la liste des maps disponibles, et donc l'aléatoire choisira parmi les maps moins celles qui auraient été jouées. Oui, c'est des nouvelles fonctionnalités qui est permise par le jeu, en fait, hein, du coup. Voilà, tout à fait. Et donc, ça permet de garder un côté aléatoire et pour éviter que les équipes disent « Ouais, ces maps-là m'ont plus avantagé qu'autre chose. » Au moins, là, il y a une part aléatoire, personne ne choisit les maps, et voilà. Puis ça permet aussi de montrer un peu les maps toutes les maps différentes sur ce mode-là. Sachant qu'il y a eu des ajustements plus faits dans la mise à jour 2.1 sur le design de certaines maps. Oh oui, tout à fait. Ça sera l'occasion aussi d'en parler. Beaucoup de changements en ce moment sur Splatoon. Évidemment, un nouveau mode qui arrive, hein, c'est le plus gros changement qu'on a eu dans Splatoon depuis bien longtemps. Hein, ça rebat les cartes, un nouveau mode compétitif. Ça a un petit côté évidemment excitant de le découvrir pour les équipes. Ce mode, on va avoir l'occasion de l'aborder plus en détail sur les manches. Mais finalement, c'est quand même un mode assez complexe à appréhender au départ. Ah oui, c'est clairement un mode assez complexe. De ce que j'ai pu en voir hier, les gens ne savaient pas trop comment se passer, ce qu'ils devaient faire vraiment.
au niveau du placement, au niveau est-ce qu'il devait être offensif, défensif, le stuff qu'il devait jouer. Bon, j'ai commencé à voir, en suivant les streams avec des grosses équipes, un début de réflexion sur une possible méta sur ce mode-là, quoi. Donc, nous en parlerons plus en détail pendant le commentary des matchs. Ouais, et puis il y a tout qui est à découvrir pour les équipes hein, sur ce mode. Un mode qui semble vraiment, hein, à première vue, être celui qui va nécessiter le plus de team play, hein, de jeu d'équipe, ou en tout cas, qui a le plus potentiel là-dedans hein, pour les stratégies d'équipe. Là, y a vraiment des choses à faire hein, pour une équipe qui voudrait performer sur ce mode. Oui, donc c'est Darky qui rejoint à la place de Roshi. Et oui, donc oui, c'est clairement un mode où tu peux pas solo. C'est pas comme le bazooka pour la zone où tu peux te permettre de wipe l'équipe et puis voilà. Là, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus dur. En plus, t'es marqué H24 avec des palourdes qui te traînent, donc t'es facilement visible par tes adversaires et tout ça. Donc c'est assez complexe. Hein. Bon, même si t'es encore plus visible quand t'as quand on a dit, c'était le super ballon de foot américain. Donc voilà, donc là on va commencer tout de suite par Chantier Narval. Alors un mode complexe pour les joueurs, évidemment, pour appréhender, mais aussi peut-être sans doute pour le mode spectateur. Donc on pardonnera à Emmett peut-être s'il a des difficultés hein, pour suivre l'objectif, etc. C'est aussi un mode qui là-dessus se démarque des autres modes. C'est parti en tout cas sur le chantier Narval avec beaucoup beaucoup de palourdes sur la map et les joueurs qui foncent pour s'en saisir. Alors là on peut voir que toutes les palourdes sont réparties au milieu et après dans le spawn, dire dans la zone, l'arrière zone de chaque équipe. Au niveau des compos, on a un sniper de chaque côté, un parapluie pour pion, un zap à côté et un c'est rouleau. C'est Gekou, hein, le porteur de la première palourde, grosse palourde pour Squidding Good et il la met directement. Hein, il a fait vraiment le taf au début, Gekou. Oh là là, ouais, il est allé. Ils ont été très agressifs sur cette première attaque, les Squidding Good avec Gekou là, qui est allé jusqu'au panier. Alors logiquement, s'ils attendent la fin du compteur, la Cité Fraîche va récupérer automatiquement un super ballon de rugby. On vient de le voir, voilà. qui vient de tomber d'ailleurs. Et donc voilà, donc là elle peut directement le reprendre et avoir directement un super ballon, donc 10 palourdes d'un coup. Donc voilà, ça vient d'être pris à l'instant par Cassie. C'est Cassie, hein. C'est Cassie qui fonce vers l'objectif et qui l'envoie. Alors elle utilise très bien la propriété de la bombe curling, c'est-à-dire elle met son spécial. Alors faut savoir que ce spécial-là, si on a une palourde aussi, c'est pareil. Les palourdes autour de toi vont être enlevées. C'est-à-dire que si tu as 8 ou 9 palourdes et que tu mets le splash zone, tu vas automatiquement perdre tes palourdes. Ce spécial éjecte tes palourdes de ton corps. Ouais, c'est là aussi un point de vue très stratégique. De la même manière que quand on a 9 palourdes, on peut encore être invisible dans l'encre. Par contre, dès qu'on prend la 10e, on devient visible et du coup facilement atteignable par les adversaires. C'est aussi un élément stratégique à prendre en compte pour le porteur de palourdes qui sera, ou les porteurs hein, qui sont définis dans les équipes. En tout cas, pour le moment, il y a 59 points restants à marquer pour Steph Fresh qui mène. Voilà, et 65. Bon, ça reste un match. De ce que j'ai vu, les matchs restent assez serrés. L'équipe, en fait, qui met le. Si une équipe arrive à prendre. Le ballon de rugby et à mettre le ballon de rugby dans les 8 dernières secondes à la fin, en gros, elle gagne le match dans tous les coups. Allez, Cassie, elle a les 10. Là, elle va rusher. Elle a perdu avec son choc, mais elle est toujours là, évidemment. Voilà. Elle l'a mis sur le panier. Ils sont tous là autour à envoyer les palourdes. Ouais. Hein. Et donc ça va très vite. Ça va par l'autre 3. C'est 3 points par 3 points. Donc ça va aller très vite. Là, ça y est. Ils sont tous autour. Plus que 20 points à marquer. Il n'y a plus trop de palourdes autour du panier, là, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus en marquer. Si, continue, hein, ça continue à descendre. 8 points restants, là. 8 points. Ah, ça fait 3 palourdes à mettre. Hein. 3 petites palourdes à mettre pour le chaos. Ils vont les mettre. Ça y est, c'est le chaos. 1, 2, et c'est le chaos. Ah, on a un petit temps de décalage, truffe. En tout cas, là, les Steph Fresh qui ont effectivement bien mené la. Enfin, ils étaient menés au début, puis ils ont réussi à revenir. Hein, tout à fait. Avec surtout Cassie, c'est Cassie qui a allé mettre à chaque fois le ballon, hein, qui a cassé la protection du panier pour que les camarades mettent les petites palourdes petit à petit pour aller jusqu'au chaos. Il y a du rang côté Squidward. Alors, on va faire un petit point chrono, hein, de manière à ce qu'on soit bien synchro entre commentateurs. Donc, on va compter, vous inquiétez pas. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon.
Allez, les Stay Fresh qui ont dominé cette toute première manche de pluie de palourdes sur le chantier Narval. Les Scooting Good qui vont avoir l'occasion d'aller marquer des paniers hein, sur la serre Goémon. On a quand même vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient bien tryhard le mode. Il y en a qui sont S sur le mode. Déjà, on a vu à côté Cassie qui était à moins, je crois. Ou à plus, je sais plus. En tout cas, ça a bien tryhard le mode. Ça va tellement vite sur ce mode hein, quand on approche. Très près du ballon adverse, c'est très dur de l'empêcher de mettre le coup de palourde, hein, honnêtement. Et ce qui était intéressant, c'est surtout selon les maps, les positionnements que peut avoir le basketteur hein, pour mettre la super palourde. Il y a des fois des positions en hauteur vraiment qui permettent de faire un saut et d'envoyer la grosse palourde dans le ballon, et c'est assez impressionnant. On va voir en tout cas ce que ça va donner sur les Sergoémon. Pour le moment, les joueurs qui collectent les palourdes sur la map. Donc la plupart des palourdes sont au milieu. On en avait une qui traînait du côté de la Cité Fraîche. C'est un peu surprenant. Bon. Gekou, il en a 9 déjà et il attend évidemment avant de prendre une dixième parce qu'après il va être repéré. Voilà. En fait, là, il faut que ses camarades fassent le ménage un peu et qu'ils soient en supériorité numérique avant qu'ils prennent une dixième. Hein. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est ça. Et ils le font. Ils sont moins 2. Ils s'approchent. Il est suivi, hein. Il y a quelqu'un derrière lui, il faut qu'il fasse attention. Je pense qu'ils cherchaient l'emplacement aussi en même temps. Parce que je pense qu'ils n'ont pas forcément vu toutes les maps où était l'emplacement. Ils ont pas eu le temps de tester sur toutes les maps où était l'emplacement. Allez, les Stéfresh qui essaient de s'en sortir. Il y a un Stéfresh qui a 9 palourdes. C'est 2 Dix. Et c'est plus. Oh non, la torche au milieu est complètement pour Speaking Good. Ouais, il reste vraiment au centre. Il tente de garder le map control. La pique balance qui va aider les Stéfresh à s'en sortir un petit peu. Ah, il n'y a pas de kills qui sont pris pour le moment. Non, et si c'est Pion qui tombe. Et par Nox. Ouais, Nox avec son jetpack. Qui s'approche. Les palourdes. Ils essaient d'être plusieurs, je crois, à avoir une grosse palourde du côté de Squidding Good. Avec Porky qui est vraiment vers l'avant là. Il est au duel contre Dedix et il gagne son duel, Porky. Il est tout devant, il faut que ses camarades viennent. C'est peut-être le moment là. Porky qui va collecter les palourdes qui sont dans le coin, il en a 10. Il a la grosse palourde et il fonce. Il fonce vers l'objectif. Allez, ça va être dur d'approcher les Stéfresh qui défendent. Ils sont plusieurs hein, du côté de Squidding Good à avoir 2 palourdes. Je crois qu'ils sont 2. Hein. Mais ils sont tous les deux coincés au même endroit, ce qui est peut-être un petit peu dommageable. Alors j'ai pas vérifié si ce mur qu'on a là, je pense qu'il est juste là pour ce mode là, hein, afin de permettre de défendre mieux le. Porky qui s'est fait liquider avec sa palourde, son ballon de rugby. Nox qui est toujours là, mais il va peut-être tomber face à Pion. Ouais, il défend bien. Gekou qui prend le relais. Ah, il va essayer de s'approcher, Gekou, au culot, mais ils défendent bien. Ils sont 2, c'était fraîche. Là, ouais, ça défend bien. Hein. Ah, c'est dur d'arriver jusqu'à l'objectif. Est-ce qu'il va y avoir un flank YOLO de la part de Cassie? Genre, je me fais ma palourde, je me barre, je fais mes ballons de crawling et je passe par derrière. Et la pique balance. Ben, c'est honnêtement une possibilité qui est offerte aussi par le mode qui peut être très intéressante. Hein. On peut y aller YOLO en solo et marquer des points hein, finalement. En tout cas, il y a Elle tente le coup. Elle tente le coup. Et elle se fait liquider. Il y avait un positionnement intelligent, j'ai l'impression, quand même, du côté de Squidding Good. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui reste un petit peu en défense. Et peut-être que c'est une des clés pour performer dans ce mode-là, hein, d'avoir aussi un défenseur de son panier. En tout cas, pour qu'il là, il enchaîne les kills, il évite la bombe gluante. Il essaie d'emmener son équipe vers l'avant. Hein. Ah oui, il s'est fait liquider. Par la bombe gluante qui était posée, la majorité. Ils sont 2 à avoir le ballon de rugby, là, pour aller casser la protection. Il tente le coup de monter en haut, je pensais qu'il allait passer par le haut pour tenter de faire un panier en haut, mais ça ne passe pas, là, il back. Oh là là là, la partie est tellement bloquée, Truff, il reste 1 minute 30, il n'y a pas un seul point qui a été marqué. Et là, il n'y a que. Ouais, il n'y a personne qui a quasiment de ballon, quoi, il y en a un. En sachant que si on reste à 100 partout, là, ben, on peut rentrer dans une phase de prolongation qui va durer toute la nuit dans ce mode. Ouais. À Darky qui a beaucoup, beaucoup. De palourdes, mais ils sont bloqués les Squidding Good hein, dans leur camp. La pigmalance qui va. Ouais, en plus ils sont moins 2 là. Ça va peut-être être au tour de Stéfresh de lancer une contre-attaque et d'y aller. En tout cas, il y a Cassie hein, qui va vers l'avant, qui prend les palourdes. Il y a Porky un ballon, actuellement. Ouais, Porky qui rejoint Darky avec son ballon. Mais ils sont tellement loin du camp adverse. On peut se passer le ballon aussi hein, entre joueurs. Hein. On peut c'est bien.
pour qui il a attaqué, enfin il a bien défendu face à 2Dix qui voulait le flanquer. Il tente d'avancer maintenant, le capitaine de la Squidding Good, mais il est tellement seul dans l'encre jaune. Il va éviter la bombe et il se fait liquider. Payer le kill de repris, le revenge. Et là, ça va flanquer. Et là, il n'y a personne en réponse. Ils y vont, les Stéphrèches, c'est Pion et Denis, je crois. Il y a Pion qui passe, et voilà, Pion qui le met. Et voilà. Et c'est exactement ce que j'avais dit. Le flank. Ce ballon a mis là, c'est 20 points marqués, tellement important dans les 20 dernières secondes. Il reste peu de temps là, voilà. Et là, ça va tellement être dur maintenant pour. Il va vraiment falloir qu'il rush. Et maintenant, c'est tellement simple pour côté Stéphrèches, ils n'ont plus qu'à défendre leur panier. Ah, il va y aller, et Darky qui tente d'y aller. Elle va y arriver. Elle égalise. Elle décroche les prolongations, Darky. Et ils prennent le lead. Oh, les Squidding Good. Incroyable retour des Squidding Good. Alors là, on commence déjà à voir un petit peu les enjeux de ce mode. Et on peut avoir du coup des parties totalement déverrouillé pendant les 5 minutes et finir sur un coup comme ça avec une attaque d'un côté, une contre-attaque de l'autre pour que Squidding Good égalise dans ce match, un partout entre les deux équipes. Alors, beaucoup d'enseignements, hein, avec déjà pendant que Squidding Good était occupé à tenter d'attaquer, ils se sont fait avoir complètement par surprise par Pion, hein, qui est allé marquer le point là. Oui. Et finalement, en prolongation, ils ont réussi quand même à revenir dans la game. Mais les enseignements qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, il faut être très vigilant en défense aussi sur ce mode. Chaque flank, pour le coup, hein, d'un joueur qui s'est armé d'un ballon de rugby peut être fatal. Et en plus, ce flank, hein, contrairement au... Enfin, ce flank. Ce genre d'action, contrairement au bazookarp, où l'objectif était porté irrémédiablement par qu'un seul joueur, là, il peut venir vraiment de plusieurs joueurs à la fois, puisque plusieurs joueurs peuvent collecter des palourdes pour se saisir du ballon de rugby. Et c'est ça qui rend les choses aussi très intéressantes. Hein. Il y a bien un côté bazookarp dans ce mode, mais effectivement, un bazookarp multiple, en fait, hein, qui du coup permet de dépasser certaines limites imposées par le bazookarp. Alors, j'ai pas checké pour les cas d'égalité. Alors, je pense qu'il y a deux solutions pour Nintendo pour éviter l'égalité. Soit faire popper énormément de palourdes pour que tout le monde ait rapidement à la fin 4 ballons. Bah, comme si tu prends des ballons, ça peut aller très vite. Soit alors ils départagent sur le nombre de palourdes que chaque équipe possède en main. Quoi. Tu vois ce que je veux dire le fameux score en gauche. Et en gros, au bout de 10 ou 15 secondes de prolongation, l'équipe qui a le plus de palourdes gagne. Quoi. Mais je suis pas sûr, hein. Je crois que les prolongations durent en fait, moi. Je sais pas, faudrait voir. Faudrait j'ai vu, il me semble avoir vu des games durer jusqu'à 7 ou 8 minutes. Ah ouais, donc oui, donc dans ces cas-là, ça veut dire que ce serait vraiment infini. Ça avance, Ogeku. Ogeku, il va. Ouh là là, oui, ils font mal. Hein. Ils font mal les Squidding Good sur le premier push en passant par le couloir sur leur gauche. Ils sont allés casser la protection, mais d'ailleurs, ils peuvent pas le faire. Oh là là, ils ont essayé, mais ils peuvent pas le faire. Ils peuvent pas le faire, les. Le prix, ils peuvent pas le faire sur leur panier. Tout à fait. Quand la protection de son équipe est cassée, on peut pas aller attaquer celle de l'adversaire. Et je crois que la Dedix, il a été un petit peu surpris par ça, j'ai l'impression. Oui, je pense. Ah, ce mode est encore nouveau. C'est là qu'on voit l'importance d'un défenseur. Je pense qu'il faut au moins un défenseur dans l'équipe. Quelqu'un qui va jouer une arme de longue portée et qui va défendre le panier. Et après, les trois autres, il y en a deux qui vont jouer offensif et un qui va être le collecteur, quoi. Celui qui va récupérer les palourdes et qui va être en gros le porteur du gros ballon. L'autre point qui est intéressant, c'est que chacun peut être collecteur et finalement passer à un moment donné les palourdes qu'il a collectées à celui qui sera désigné pour aller marquer. D'ailleurs ça va. Oh non, il est passé juste en dessous. Ouais. Il est passé juste en dessous de l'objectif, son ballon, dommage. C'est pareil, ça, le ballon faut bien viser, c'est dur à viser des fois. Pion qui prend le kill, bien joué. Ouais, elle le prend, mais dans la précipitation, c'est vite fait de se louper aussi. Hein. Ouais, puis il faut jauger aussi de la distance au début, ce qui est pas forcément évident hein, quand on tire pour la première fois avec, on sait pas trop jusqu'où ça va aller. Déjà, on a tendance à utiliser le bouton pour lancer une bombe au lieu d'utiliser le bouton A. Donc, c'est clair. Donc forcément on se trompe au début, on est là comme un con, mais putain tu vas te lancer, mais non ça veut pas, mais non, c'est normal, tu te trompes de bouton. Et après ça va prendre vite le coup et on va s'y habituer.
En tout cas, il y a 77 à 74 pour le moment, un match serré, hein, alors qu'il va rester 2 minutes 40 à jouer. Gekou qui s'est fait liquider et les Stéfraîches qui semblent aller vers l'avant. Ouh là là, non, il s'est fait liquider, mais ils sont toujours 3, hein, sur le côté. C'est Pion qui, avec son parapluie, en fait, protège vraiment ses camarades. Hein. Il y a l'utilité du para-ancre là qui est assez énorme dans le couloir de gauche. Et elle a également plein de palourdes, elle en a 8. Son para-ancre se prête tout à fait en plus à ce couloir, à genre de couloir, à genre de mapping, on va dire, de design de map en gros. Mais les Squidding Wood qui défendent bien dans le couloir, hein, ils ont repris le contrôle du couloir vraiment, hein, les Squidding Wood là, ils sont montés. De Dix qui a le ballon de rugby qui va tenter d'avancer sur la droite. Il est accompagné par Pion. Attention, au secours. Ah, Pion qui est tombé malheureusement, mais s'il est tout seul, il va pouvoir le mettre le point. Et il le met. Et il permet à son équipe de mener pour le moment un tout petit lead, hein, 68 à 74, mais c'est ce qu'il fallait. Et ça met des palourdes. Il faut être très vigilant pour pas lâcher le moindre point aux adversaires, hein, quand notre camp est plus sous protection comme ça. Il faut être très très vigilant autour de l'objectif pour empêcher les adversaires de mettre des toutes petites palourdes. Là, ça égrène de 3 points en 3 points, hein, quand on met une petite palourde. Alors, concernant le stuff qui serait potentiellement méta pour actuellement, en tout cas de ce qui a été vu par les grosses équipes et de ce que ressort, de ce que j'ai pu voir. En gros, le stuff metra, ce serait de jouer du quick respawn, en gros, pour revenir très vite dans la game, parce qu'on est un peu obligé d'être trop offensif et on peut mourir très vite. Et puis ça permet aussi d'être très rapidement au retour en défense au cas où s'il y a besoin, si on se fait tuer, quoi. Donc le quick respawn serait très joué. Et au niveau des armes, en gros, on conseillerait d'avoir des armes de turf, parce que la turf est vraiment importante, ça permet de voir toutes les palourdes plus rapidement, et ça permet aussi de détecter facilement les flanks de son adversaire. Et aussi, ouais. Au niveau des armes, il faut porter une arme comme la curling qui permet d'agir avec la curling en sub, qui permet de se projeter très rapidement vers l'avant. Ouais, il y a une infinité de possibilités, hein, offertes par ce mode évidemment. Et là pour l'instant, en tout cas, c'est très très serré, très tendu entre les deux équipes. Les Stéfraîche qui mènent pour le moment, mais les Squidding Wood qui tentent d'attaquer avec Orochi qui a mis sa bulle. Il explose. Il faut qu'il les récupère maintenant, mais ils l'ont marqué. Hein. Ils ont marqué, ils égrènent les points 58 à 53, 55 à 53. Est-ce qu'ils vont prendre le lead? Oui, ils prennent le lead. Ils prennent le lead dans les 20 dernières secondes et ils continuent. Ils sont encore autour. Il y a Nox qui va pouvoir en mettre plus des palourdes. Il en a plein. Il faut pas hésiter à prendre des palourdes en arrière et se téléporter sur ses mètres. Si jamais, c'est clair. Et il continue. Nox, il va vouloir en mettre encore. Est-ce qu'il va pouvoir arriver jusqu'à l'objectif? Il temporise. Il a vu qu'il restait 3 secondes. De toute façon, le match est fini parce qu'en gros, il vient juste de s'ouvrir du côté. Maintenant, je peux mettre un touchdown. Ils vont peut-être le faire. Il s'est fait liquider là devant le panier. Hein. Et voilà, encore un deuxième kill. Ouais. Ah, ça va être très compliqué pour les Stéfraîches. Hein. Il reste une palourde. C'est pour ça que la partie est en prolongation. Mais évidemment, ça devait bien finir par s'arrêter cette game. Les Squidding Good qui l'emportent 2-1. Et encore une fois, une game assez verrouillée, hein, où les équipes ont mis du temps à trouver la faille et à avancer jusqu'au panier avec le ballon de rugby. Ou pour qui il a fait 18 liquidations. Ah, pour qui j'ai l'impression qu'il aime bien la map. Pour qui est doué sur toutes les maps, hein, de toute façon. Ouais, non, pour qui, depuis en plus qu'ils ont amélioré un peu le 3000, il revit sur Splatoon 2. Ah bah, vous voyez qu'il avait un peu de mal au début. Tous les joueurs de calibre 3000, effectivement, se sont mis à revivre quand le calibre 3000 s'est remis à tuer en deux coups. Hein. Ça change évidemment une vie, ça, hein, quand on aime l'arme. Et effectivement, bah, les joueurs de calibre 3000, qui sont peu nombreux, hein, comme Porky, Obito, réussissent plutôt bien avec leur arme. Il y a 2-1 actuellement pour les Squidding Good. Donc là, j'aimerais bien une petite victoire de la Stéfraîche, histoire d'avoir un 2-2 et une dernière manche avec du suspense. Ouais, il y a tellement. Enfin, les équipes vont mettre tellement de temps, je pense, à vraiment tirer parti de tout ce qu'il est possible de faire dans ce mode. Ce mode, clairement, il y a vraiment une infinité de possibilités, de combinaisons de possibles. Ah ouais, puis tu peux tellement jouer sur le TP, par exemple, typiquement, les balises peuvent vraiment aider énormément aussi sur ce mode. Autant ça sert pas à grand chose en ce moment sur Splatoon ou sur les trois autres modes pro, mais autant sur, sur ce mode-là, peut-être que les balises reprendront une grosse utilité, quoi.
C'est clair, je pense qu'on n'a pas encore tout vu, hein, ce qu'il était possible de faire. Et à mon avis, une équipe qui vraiment met en place des choses stratégiques, elle peut être très impressionnante. Hein, Je pense que les gens vont nous sortir des trucs de folie dans les groupes. Ça risque d'être assez marrant, parce que c'est le genre de trucs complètement fous que les gens adorent, quoi. Alors c'est intéressant parce que le mode spectateur voit les palourdes là comme ça au démarrage, mais les équipes ne les voient pas hein, comme ça, il me semble. Hein. On les voit non. pas scintiller tant qu'on n'a pas ancré quand on est joueur. Tout à fait, ouais. Nous on voit tout, mais les joueurs ne voient pas tout. Ouais, c'est important de le signaler quand même, évidemment. Hein, les zones à palourdes ne sont pas forcément visibles pour les joueurs tant qu'on n'a pas ancré, évidemment. Pour le moment, les joueurs qui se disputent le centre de la map, ils sont déjà moins deux du côté de Squidding Good. Il y a Pion qui a déjà un ballon de rugby et qui va tenter d'aller vers l'avant. Et elle est aidée en ça par ses camarades, il y a Slax. Il faut savoir que le panier, on peut le faire, voilà, il faut juste passer la grille, il y a le petit monticule qui permet de lancer directement. Donc, et là, elle a mis... Ça fait liquider. C'est super Orochi, mais elle avait mis ouais. son beaucoup de sa part, elle avait lancé son bouclier sur son parapluie. Ça va continuer, hein. Oh, il a pas mis... Ça y est, et il y en a un autre. Cassie qui va en mettre deux, hein, tant qu'à faire. 60 points. 60 points, voilà. Alors c'est très intéressant ce que tu dis effectivement, on peut avoir diverses positions pour aller marquer des paniers et parfois pas la peine de s'en approcher trop en fait. Souvent en solo j'ai vu des joueurs vouloir s'approcher vraiment en dessous du panier pour les mettre alors qu'ils étaient dans des positions déjà avant à distance où ils pouvaient mettre des paniers quoi. Et ça aussi c'est très très important à prendre en compte. Tout à fait. Et on peut en parler, Supermarché Cétacé est l'une des maps où il y a énormément de spots pour lancer C'est clair. C'est clair, c'est clair. Pas la peine de monter dans le spot ennemi quoi. Ouais, c'est clair. Moi j'ai vu des joueurs monter dans le spot ennemi, je crisais quoi, je comprenais pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient en dessous et ils pouvaient juste l'envoyer. Et là c'est le cas, hein. En étant en dessous, on peut effectivement mettre des paniers. Il y a 54 points pour Stay Fresh. Ouais. Et là, bon, il va falloir qu'il prenne le contrôle de la Terre, par contre. Ouais, puis du coup, il se fait attaquer par la Pygmalion, ça c'est compliqué. Très belle Pygmalion de la part de... Oh, il prend un autre kill sur Nox. Ouais, Slax, il est bon, là, avec sa Pygmalion. Il y a Porky qui est toujours là, hein, le gardien du temple au centre de la map. Et là, ils viennent de perdre deux palourdes, deux grosses palourdes, qui avaient deux ballons complets, quoi. Après, je sais pas si on va appeler ça des palourdes ou des grosses palourdes. Je pense qu'on va appeler ça la grosse palourde, parce que on peut appeler ça comme on veut. Allez, soyons fous. Ouais. Bah, pas lourde, c'est pas non plus le terme le plus sexy du monde, hein. faut dire ce qui est, mais bon, c'est comme ça qu'il a été traduit en français. Allez, Slax qui a 5 palourdes. Mais là, c'est un vrai duel au centre de la map, du coup, entre les deux équipes. Là, c'est Stay Fresh qui essaie de garder le contrôle vraiment de la couleur au centre, mais qui lance pas d'offensive pour le moment. Ils ont le lead, et là en plus, garder le centre, ça permet d'éviter les push, et ça permet de créer son push aussi. Ouh, il y a le bowler d'Orochi. Le centre te donne l'accès directement au panier en fait. Ouais. Si tu contrôles le centre, tu bloques les adversaires, et en plus, tu as une occasion de passer. Un trade. Ouais, Slax il avait le ballon, mais il s'est fait liquider par Orochi qui s'est fait lui-même liquider par Cassie. Gekku qui va tenter d'aller. Ouh, il va y arriver! Il est arrivé, Gekku, je crois. Hein. Il a mis, oui, il a mis 80 points pour Squidding Good. Et là, pareil, hein, Gekku il a pris tout le monde par surprise avec son rouleau pour aller mettre le point, lancer le ballon sur le camp, le panier d'Esté Fresh. Donc là, Esté Fresh qui va récupérer un ballon, on va le voir tomber. Bah, il est déjà tombé, on le voit, il est juste en dessous du panier. Et ils en ont déjà un, puis c'est Pion qui l'a. Cassie qui prend le kill avec le choc. Oh, elle y va Cassie, hein. Elle va peut-être le mettre si elle s'est fait pas liquider. Oh non, elle s'est fait liquider juste avant, elle a tenté de l'envoyer. Hein. Dans le dernier effort, elle sentait qu'elle pouvait pas aller plus loin. Elle a tenté, mais ça a pas marché. Autre point qui est un peu décevant, c'est que le bras-long n'a aucun effet sur le ballon. Donc c'est dommage, je pense que Nintendo aurait dû permettre que le fait de jouer bras-long te permette de lancer un peu plus loin ton ballon de... Ça aurait été un point stratégique encore plus intéressant parce qu'au final, c'est pas toute l'équipe qui va se mettre à jouer bras long, mais ça aurait permis de désigner un petit peu finalement un lanceur de ballon quoi en fait hein, dans l'équipe. Ça aurait pu être intéressant. De la même manière qu'avec le bazookarp, on avait tendance à en désigner un qui effectivement avait beaucoup de course à pied ou de nage dans l'encre. Hein, full speed, ouais, voilà, tout à fait. Oh, le Squiddy Good qui attaque à plusieurs. Oh, Nox qui se fait liquider aux portes du panier. Mais il y a Gekku qui est là encore. Gekku qui la met 70 à 54. Et il se fait liquider. Bon, ils ont stoppé le poste tout de suite. Ouais, ils ont stoppé l'hémorragie. Ouais. Il va falloir qu'ils fassent attention parce que il reste plus beaucoup de temps. Et un push est vite arrivé. Et ça va très vite quand même hein, en fin de game. Ouais.
Pygmalence et Pion qui a le ballon de rugby. Porky qui en a un aussi. Hein. Et Porky qui nous fait un. Non, je pensais qu'il était chez eux, mais non. Chez eux ou chez nous. Non, il était bien chez eux. Hein. Il était bien chez eux. Il était bien chez eux. Il a fait un flanc qui était très bien. Mais ils y vont d'ailleurs. Hein. Il y a Gekou qui va, Orochi qui va, Orochi qui s'est fait liquider malheureusement. Il faut qu'ils y aillent. C'est maintenant ou jamais. De toute façon, pour les coups de goût, Gekou qui s'est fait liquider. Ça va être compliqué maintenant. Il va falloir défendre juste les palourdes qui restent. Oh, bah ils vont mettre le panier. Bah, ouais, c'est fini. Allez, c'est fini. Victoire. C'était fraîche. Bah comme espéré, je sais pas voilà. Si c'était comme espéré, mais en tout cas ils reviennent bien à 2-2 comme tu l'avais envisagé en début de game. Ouais, un très beau match des C'est fraîche. Alors ils ont tenté vraiment de verrouiller la game, hein, les C'est fraîche, en gardant le contrôle du centre. Ils ont de temps en temps concédé des pushs, concédé des assauts de Squidding Good. Ils ont lâché un petit peu des points, mais au final ils ont réussi à garder le lead. Hein. Un peu comme au football quand on mène 3-0 et qu'allez, bon, on se fait rattraper 3-1, 3-2, mais qu'on gagne quand même à la fin finalement. Ah bah voilà, tu parlais du supermarché Cétacé, nous y allons. Et je pense que c'est très bien de finir sur cette map-là, ce très beau match, très serré, qui nous offre en plus une dernière manche, on ne sait pas qui peut gagner. Finalement, on a fait un vrai BO5, voilà. Voilà, un vrai BO5. Espérons que ce soit la même chose pour l'autre match aussi. Ah ouais, tout à fait. Alors là, on passe un bon moment avec Steph Fresh et avec Squiddy Good. J'en profite pour dire un petit peu à nos équipes derrière de préparer les interviews. On aimerait bien effectivement recevoir des Squiddy Good et des Steph Fresh hein, pour discuter un petit peu du match. Et ensuite, on aura Rising Moon et les Extra Lamar Firmament pour un deuxième match sous une pluie de palourdes. Mais il faut déjà apporter une conclusion à ce joli match entre Steph Fresh et Squidding Good. Ça va être sur le supermarché Cétacé. Allez, le match qui démarre. Alors c'est marrant parce que c'est effectivement ce mode-là, en fait, hein, vu que c'est une découverte, on a moins tendance à s'intéresser à ce que jouent les joueurs au départ, mais après ça va revenir évidemment, c'est juste que là on est un petit peu dans la découverte du mode. Le mode, les maps, on est moins focus sur ce que vont jouer les joueurs. Mais ça va être important quand même. Le rouleau reste présent. Ah voilà, Gekou il a mis. Oh là là là. Gekou il a fait un festival. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour à la fois mettre le ballon et prendre 2 kills. Bon, il a été assez incroyable. La bombe curling qui a rebondi et qui a explosé dans le tas. Ah ouais, il a vraiment bien joué le coup. Bah d'ailleurs, oui, il faut qu'il utilise la bombe curling. Là, ça peut faire très très mal hein, dans les petits angles. D'ailleurs, il continue. Hein, il arrive. On le voit là, il est passé. Et après là, il prend le kill. Et là, il donne un 4. Ah, il continue, hein. Gekou, voilà. Il est un petit collecteur de palourdes. Il a l'air de beaucoup aimer ça. Ouais. Il prend des kills en plus. Toujours. Oh là là, ils ont réussi à stopper Cassie dans leur choc. Ouais, ils ont marqué beaucoup de points. Hein. Et Pion qui a pris le ballon hein, de son côté qui lui était offert à chaque fois qu'il subisse un push. Ouais, les Steph Fresh qui sont vraiment là dominés pour le moment. Ils sont coincés dans leur camp. Le kill qui a été pris sur Orochi par Dedix. Il y a Pion qui essaie de se faufiler par la droite, mais elle peut pas trop avancer parce qu'il y a Porky qui est bien placé. Non, parce qu'ils ont pas d'encre, ils ont surtout pas d'encre au centre. Ouais, mais les. Ils ont encore marqué les Squidding Good, bien joué. Porky qui tente d'y aller, Porky qui va y aller, il va le mettre, oui. 30 points pour les Squidding Good qui sont très 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 dominants là sur cette game. Il n'y a plus personne qui met des palourdes. Il y a Orochi qu'on a plein et qui est pas loin. Hein. Il a pris le kill. Est-ce qu'il... il était occupé trop tard. Dommage pour lui. Il était trop occupé à survivre en fait hein, pour aller mettre les points. Et là, il est chez eux. Il en a plus qu'une. Il va mettre le. Il a un ballon. Ça y est, il l'a. Il va essayer de le mettre. Ouais, il explose. Il le met, ça très très mal. Il le met pas. C'est loupé. Ouais, il a vraiment tenté le coup. Et là, il le met. Ça y est, c'est fait. Pour les Squidding Good, là, qui voilà qui. Ah, il a essayé. Hein. Ça prend. Petit à petit, ça prend. En fait, ils essaient vraiment d'arriver pour mettre des points. Ils sont fous de se faire tuer. Ils veulent en mettre le plus possible. Et là, ça y est, là, ils vont essayer de pêcher. Ça y est, ça va passer. Et là, ils ont des ballons. Mais les fioles. Oh, il y a Slax qui. Oh, il se fait liquider, dommage. Il avait un gros ballon de rugby. Hein. Slax a lancé, il n'y est pas arrivé. Ça y est, ça a été pris par In extremis, hein, In extremis, ça s'est fait liquider juste après avoir lancé le ballon. 80 points, mais il n'y a aucun. C'était fraîche pour mettre des palourdes, égrainer des palourdes dans le panier. Et là, il reste 2 minutes et ça va passer très vite.
le temps passe très vite et là ils ont un bon avantage côté Squidding Good. Ouais, ça revient au duel, hein. Il y a 3 Stéfresh qui sont exactement à la même position. Dedix qui est tombé, il reste Sax et Pion. Pion qui a pris un joli kill sur Nox. Pion qui tente le flank mais qui se fait cueillir par Gekou. Gekou qui est bien sur cette map là. Mais Gekou qui est plutôt très à l'aise avec son rouleau sur beaucoup de maps, ouais. Hein, où on le voit jouer. Il est très, très vivant, très dynamique, il arrive à prendre des kills. Souvent il offre un petit peu aussi des points d'accès vers l'avant avec ses bons curling. De Dix qui a le ballon derrière, mais il a pas le chemin pour le moment pour aller jusqu'au panier adverse. Bah oui, mais son armure. Il faut qu'il prenne le contrôle de la turf et qu'ils arrivent à prendre les kills. Mais par contre, là, il est tellement vu de Dix que bah, ça va pas être facile pour lui. Oh, il prend le kill sur Orochi. Ouais, il passe. Hein. Oh, encore un. Il va y aller. Il va aller le mettre. Est-ce que... Oui, oui. Ah, non, il a reculé. Ah, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il a reculé? J'avais l'impression qu'il avait l'opportunité là. Mais c'est Slax qui l'a mis. Slax qui le met. Et là, derrière, il y a. Il y a Cassie qui est derrière et qui va aller en mettre quelques-unes. Oh, elle se fait liquider, elle a réussi à en mettre une petite 64 à 21. Ouais, je pense qu'elle a dû en mettre. Elle a dû en mettre 2 parce que c'était à 70, ils sont passés à 64, donc elle a dû en mettre 2. Donc il reste plus qu'une minute. Ça va être très compliqué pour eux, enfin, il va falloir refaire un ballon et après il va falloir essayer d'enchaîner derrière. Ouais, enfin, c'est un jeu qui... Ils ont un meilleur contrôle du centre, on voit que la map est quand même plus jaune au centre. Oh, Roshi qui a pris un kill tellement important là, sur Cassie. Alors, on a vu pareil, le voleur lui a fait partie. Oh là là là, Orochi, ouais, mais il prend les kills, hein, c'est très important. Hein. Ouais, il en a pris 3 d'un coup, et là, ils vont pouvoir continuer à marquer des points. Non, il a pas réussi. Ouh, ils ont pas réussi à marquer des points alors qu'ils étaient en position idéale. Ouais, je pense qu'ils se sont fait contrer, il a perdu son ballon, en plus, il a dû le filer à son mec. Parce que son mec a peut-être pris le ballon. Ouais, il était en bas, hein, il était en dessous du. Il a dû le rater de peu en fait, le panier. Il était en dessous du panier. Et c'est les Stéfresh qui vont attaquer, mais il y en a un qui est tombé là. Ah, ils sont moins 2. Aïe, c'est maintenant ou jamais. Mais là, ça va être compliqué d'y aller. De Dix, il y a des palourdes, il est en dessous du camp, mais il a pas de ballon pour le faire exploser. Ouais, donc, c'est terminé. Les Squidding Good qui remportent cette première pluie de palourdes, hein, sur EBTV. 3 à 2, mais un match plaisant, hein, entre les deux équipes. Mmh. C'était un beau match, hein, très serré. Et je pense qu'à la fin, ils commençaient à être un peu plus à l'aise sur la map côté Stéfresh, alors qu'au début, ils étaient complètement pris par les assauts de Gekou avec son rouleau. Après, je pense que les liquidations restent quand même assez importantes, hein, dans le sens où... Ah bah oui, clairement. Où là, on le voit, hein, il y a eu énormément de liquidations prises par Gekou et par Orochi. On va voir un petit peu des replays, allez, hein, on va revivre un petit peu ce qui s'est passé pendant la manche. Ah oui, le push de Cassie, là, à travers la défense. Oh là là, et le spécial derrière. Et oui, puis elle a enchaîné les kills. Hein, ouais. Belle action de Cassie, là, sur cette première manche. Et c'était... Elle perd sa palourde, mais derrière, elle profite du nouveau du chemin qui a été fait pour remettre là. Vraiment très belle gamme de Cassie sur cette première map. Ah, elle a bien porté son pseudo, hein, bouffe tout. Elle a tout bouffé, effectivement. Voilà. Ah, donc là, c'était la deuxième map. Voilà, on est à 30 secondes de la fin du match, 100 à 100. Et là, Pion qui déverrouille la game en prenant par surprise les Squidding Good. Voilà. 80 points. On se dit c'est fait, le match est fini. Et là, derrière. Et derrière, effectivement, bah, j'espère que c'est ça. Et oui, c'est ça. Voilà. C'est Darky, hein, qui répond à Pion. Voilà. Et qui réussit. Et qui permet à son équipe de l'emporter. Ouais. Elle a pris de vitesse son défenseur direct qui était là, hein, qui aurait pu prendre le kill, mais voilà, il s'est fait surprendre. Donc là, après, on voit le c'était le. Qui fait le kill, qui met son... Ah oui, qui le met, là, c'était le... Au début de game, après le push éclair de la EG qui avait bloqué, qui avait surpris, là, c'était fraîche. Le bowler de Roshi. Le bowler de Roshi. Qui off la zone, et après, là, il lance son collègue lance le ballon, et lui, il met les palourdes, et derrière, ils prennent le lead. Voilà. Orochi toujours, hein, qui effectivement avec son proxy, non, ça va être plutôt l'action. Ouais. En fait, elle y a, là pour le coup, on a vu le positionnement d'Orochi, bah, qui était pas très bon par rapport à l'attaque de Cassie, hein, qui a pu marquer le panier avec le ballon de rugby.
va marquer le panier, le touchdown. Comment on appellera ça, on verra. Et, voilà, et là, c'est l'entrée de jeu avec le rush éclair de la part de la Spinning Boots sur le panier. On va le voir, là, ils ont pris le contrôle de la map et là, ça rush. Il y a le nuage qui passe, mais c'est pas grave, on y va, on fait le moins 2 et on met le ballon. Gekou incroyable hein, qu'il ait pris deux kills comme ça. Enfin, c'est... En plus, il y avait la pluie, il y avait la totale, il est passé à travers tout. Le survivant de l'enfer. Hein. Voilà. Voilà, on a plus de replay et là je suis bien embêté parce qu'en fait il y a genre 10 personnes dans la salle d'attente d'interview, donc je ne sais pas qui je dois faire venir. Est-ce que tu as des infos? Alors je vais m'en renseigner. Bon après je comprends bien que tout le monde veut venir, mais bon quand même quoi. Je vais m'en prendre au hasard sinon. Hein. Attends, je demande juste... Ah, je vais prendre Porky pour commencer, voilà. Allez, ouais, prends Porky. Tu es l'élu. Salut Porky, tu es en direct. Ah, salut. Ça va? Ça va très bien. Alors, vous êtes nombreux dans la salle d'attente, là, avec oui. Tout le monde, y compris les adversaires du soir, là, les cités fraîches. Bon, alors, comment ça s'est passé, ces premières games sur une pluie de palourde? Ah, bah, c'était bien sympa. Au début, on a eu du mal à s'habituer, même très demain. Mais au final, on s'attendait à pire au niveau du teamplay. D'accord. Qu'est-ce que... Puis l'adversaire a très bien répondu à nos tentatives. Ils ont fait des pushs organisés. Bon, je pense que nous aussi, on a fait quelques bons pushs, j'ai trouvé. Et non, c'était vraiment bien parce que ça met vraiment en avant le teamplay, en fait, ce mode par rapport aux autres modes, j'ai l'impression. Ouais, il le met plus vraiment, tu penses? Enfin, tu vois tout le potentiel du jeu d'équipe que vous pourriez mettre en place, là, du côté de la Squidding Good? Oui, bah oui, clairement. Je pense que c'est un mode qui peut être très intéressant. Pour déjà avoir un bon esprit d'équipe, parce que tu peux rien faire tout seul, tu dépends vraiment de tes coéquipiers et il faut être à l'écoute de ce qu'ils disent pour pouvoir mieux progresser. C'est le cas dans tous les modes, évidemment, mais sur tous les autres modes, on a pris une habitude, ça fait quand même plus Splatoon 1 qu'on joue en défense de zone, etc., etc. Mais là, c'est travailler le jeu sous un aspect différent et c'est vraiment intéressant. Ah, tu peux ramener Nox en plus pour l'interview, s'il te plaît, Jimmy. Salut Nox. Merci. Bonsoir. Ça va? Ouais, ça va. Bon, alors, ce nouveau mode, vous avez eu l'occasion, je pense, de le jouer en solo, là, en équipe. Est-ce qu'il vous fait pas un petit peu penser à une version plus complète, améliorée du Bazookarp sur certains aspects à partir du moment où vous avez le ballon? Est-ce que vous avez pas l'impression d'avoir un Bazookarp, mais en étant moins limité parce que vous possédez votre arme? Ah bah, en tout cas pour ma part, oui, exactement. Déjà, ce que je trouve ça vraiment cool, c'est que bah, celui qui porte le Bazookarp, il est très restreint. Maintenant, avec ce mode, celui qui a une super palourde, il peut bah, faire bénéficier par exemple d'une armure à ses camarades. Enfin, il a une meilleure mobilité. Et puis bon, bah, on s'y croit tellement que pour ma part, de nombreuses fois, je me suis précipité au milieu de la map pensant que c'était le Bazookarp, et en fait, non. On s'y apparente trop, en fait. C'est vraiment mon impression hein, que quand j'y ai joué, que c'était une espèce de voilà, délimitation. Enfin, on enlève les limites du Bazookarp, en fait, en permettant d'en avoir plusieurs, en quelque sorte, déjà sur la map, avec plusieurs personnes qui portent des super palourdes, comme tu dis. Et en plus, ben, tu bénéficies de ton arme et de tes spéciaux, quoi. Après, bon, les spéciaux à utiliser quand même avec intelligence, parce que possiblement ça peut avoir des conséquences, mais tu peux quand même bénéficier de tes spéciaux, même en portant en fait les palourdes, quoi. Oui, exactement. Bon, on va peut-être accueillir vos adversaires quand même. De toute façon, vous vous entendez bien. Hein, Ah bah oui. Oui. C'est Slax et Pion. Salut Slax. Ah, et salut Pion. Yo. Alors, vous avez pensé quoi de ces manches sur les pluies de palourdes? C'est un mode de jeu intéressant. Moi, j'y suis rentré un peu. Sans y avoir touché avant, donc c'était totale découverte pour moi. C'est un mode de jeu qui est prometteur au niveau compétitif. Je pense que c'est le mode de jeu qui a le plus de potentiel de teamplay. Après, c'est vrai que pour l'instant, c'est un mode qui vient de sortir, donc ça reste assez hasardeux. On ne connaît pas encore un placement des goals, on ne sait pas à quel moment il faut se passer, ou les palourdes ou les balles, mais c'est prometteur.
Bah, c'est un petit peu l'impression qu'on a aussi. On pense que à première vue, les équipes vont avoir tellement de stratégies possibles à déployer et de choses à réfléchir là pour se passer les palourdes au bon moment, etc. Et on a vu quand même un petit run en solo hein, de pion sur la Serre Goemon. Qui, j'ai appelé Dedix. C'est vrai que Dedix t'a aidé. Alors, Serre Goemon, c'était quand même une map assez incroyable. C'est-à-dire que vous avez quand même réussi à ne rien faire, enfin, ne rien faire, à tenter des choses en vain hein, des deux côtés pendant bah voilà 4 minutes 30 il s'est rien passé et puis à 30 secondes de la fin vous avez tout déverrouillé partant l'intermédiaire pion aidé de Dedix et puis après ça vous a réveillé du côté de Squidding Good pour finalement contre-attaquer quoi. C'est une map qui est assez difficile hein. On l'a vu, il y a un passage, le deuxième est pas trop empruntable et on savait avant le début du match que ça allait être difficile sur cette map quand on a vu l'emplacement du goal, mais c'est vrai que c'était intéressant. Bah, surtout, est-ce qu'il faut pas être ultra vigilant quand on vient de marquer justement à la contre-attaque qui est vraiment souhaitée par le jeu, hein, puisque directement quelqu'un qui a subi une attaque finalement bah, récupère un ballon gratuit quoi. Bah oui, c'est très rapide, même c'est ça. Faut vraiment s'y préparer, on n'est jamais assez prudent j'ai l'impression pour l'instant vu que c'est le début du mode. C'est peut-être pour ça aussi que Goemon a duré aussi longtemps, c'est que peut-être que chaque. Enfin je pense en tout cas pour notre cas que on avait très peur de prendre des risques et que l'équipe adverse arrive rapidement à notre goal. Enfin on a peur de s'exposer, peur de se prendre une contre-attaque, ça va vraiment vite en fait. Le souci, j'ai l'impression qu'on est habitué un petit peu au mode bazookarp aussi. Les palourdes géantes, c'est un petit peu des mini bazooks qu'on doit transporter quasiment au même niveau que dans le mode bazookarp, donc c'est un petit peu compliqué. Ah, c'est clair, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Porky et Nox. Ça fait penser au bazookarp sans limitation en fait, et du coup ça rend les choses intéressantes, hein, parce que ça amène beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et on a vu aussi, par ton intermédiaire, Pion, hein, une utilisation du para-ancre finalement qui était intéressante, puisque tu peux, c'était déjà le cas avant, mais encore plus maintenant, tu peux protéger tes porteurs de palourdes avec ton para-ancre sur certaines actions. C'était particulièrement visible sur le skatepark Mako dans le couloir de gauche où t'essayais hein, de soutenir tes camarades en allant vers l'avant. Non, c'est vrai que je trouve pour le para-ancre c'est plutôt sympathique ce mode. Je me sens vraiment en mode support, mais il y a plein d'autres armes qui vont revenir, notamment le Proxy Blaster. On en voit beaucoup plus dans ce mode. Je pense que ça va lui donner une nouvelle jeunesse. Bon, ça va relancer du coup un petit peu la compétition sur Splatoon, apporter des nouveautés. Avant qu'on se quitte, merci beaucoup pour les games et d'avoir été avec nous ce soir. Juste une réponse de chacun, c'est soit oui, soit non, vous n'avez pas le droit de dire d'autre chose. Ce mode-là, on l'intègre dans les compétitions ou pas? Oui. 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 Ok. Merci beaucoup tout le monde, hein. Vraiment c'est très sympa d'avoir répondu présent ce soir et puis on se revoit de toute façon pour les compétitions classiques très bientôt hein. Je vous laisse vous diriger vers la sortie tous, merci beaucoup. Merci hein. À vous. Merci. Ciao, merci, à ouais. Très bientôt. Bye bye. Alors on va suivre un deuxième match. Hein, Mais juste avant, il y a une petite surprise pour ceux qui ont été à la PJW, je pense. Oui, c'est vrai qu'alors on a effectivement vécu plein de moments en ligne pendant cette année ensemble, des moments géniaux avec vous, et on a aussi eu la chance de vous rencontrer pour beaucoup d'entre vous en vrai à la Paris Games Week, et on voulait aussi un petit peu revenir là-dessus. On va donc regarder ça tout de suite et revenir avec un nouveau match qui va opposer du coup les Extra Lamar Firmament. Et contre la Rising Moon, deux équipes de Division 1. On a aussi hâte de voir comment ils vont s'approprier ce mode voilà, qui commence à se préparer. Hein. Ça va commencer dans quelques instants. Le temps de regarder cette petite vidéo et on se retrouve à nouveau sous la pluie de palourdes pour notre anniversaire. A tout de suite. We'll be right back.